Market, au cœur des bas-fonds de Hong Kong. À la recherche d'une héritière disparue. Trois mercenaires surentraînés qui ne connaissent pas la peur. C'est la peur. Ils sont aux portes de l'enfer. Fear Effect, c'est la peur qui mène le jeu. La mort, ce que nous craignons le plus. Mais pour moi, je craignais encore plus ce qui se passerait si je restais en vie. Alors je me suis enfuie. Je savais que mon père voudrait m'arrêter. Et que d'autres essaieraient également. D'autres intéressés uniquement par l'argent. Mais mon désir fut le plus fort. Mon désir de salut. De toutes les sensations, la souffrance est sans conteste la plus pure. On peut ou non la ressentir. Moi, je n'en ai jamais fait l'expérience. Mais je savais que je pouvais la connaître à travers les autres. Une souffrance si forte, si intense qu'elle pourrait purifier le monde. Et quand la vérité m'est apparue, j'ai décidé de fuir. Les chants de la cérémonie funéraire n'ont pas couvert le bruit de mon arrivée. J'espérais une mort rapide. Je pensais que ce serait possible. Alors j'ai cessé de fuir. N'ayant jamais ressenti la souffrance, je voulais maintenant en faire l'expérience. Je n'ai pas été déçu. Hong Kong, la ville aux mille visages. Des mercenaires étaient arrivés d'Occident pour me retrouver. Appâtés par un traître qui travaillait pour mon père. J'étais devenue une marchandise. T'as confiance? En Jin, oui, il est sûr. Ah ouais, et pour quelle raison? C'est lui qui m'a aidé à sortir de la rue avant de rejoindre la triade. Il ne fait jamais rien pour rien, mais je dirais que c'est un ami. Tu sais bien que quand il y a tellement d'argent en jeu, les amis, ça compte plus. Quand on aura retrouvé cette fille, on aura du pognon plein les fouilles. Pas vrai, Anna? Wee Ming Lam est la fille unique du chef de la plus grande triade de Hong Kong. Tu peux me croire, Glass. Si on est les premiers à mettre la main sur la petite, Lam se montrera certainement très généreux. Ouais, à condition qu'il nous laisse en vie. Voilà, on y est. Le Lam Building. Il est pile 11h à ma montre. Jin devait nous attendre ici pourtant. Toi qui disais qu'on pouvait lui faire confiance. Je vais le chercher. Thank you.
rejoindre. Pitié. À qui tu avais l'intention de donner cette clé, hein? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Mauvaise réponse. T'avais dit un job tranquille, Jean. Jane, alors, qui devait te rejoindre? C'est moi qui l'attendais. Attrapez-la! Attends, Anna, sors-moi de là! Je t'en prie, je veux pas mourir! Tu m'avais pourtant dit que ce serait une partie de plaisir, Jean. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? L'homme sait que j'ai des dettes. Il a dû me faire suivre. Tu peux désamorcer ça, hein? C4 est détonateur à impulsion. Je coupe le mauvais fil et toi et moi, on repeint les murs. Alors te trompe pas. T'es venue seule? Glace est avec moi et Deck est à l'hôtel. Tu veux toujours me faire croire qu'il s'agit d'une simple fugue, Jean? C'est la première fois que Mimi se retrouve hors de l'immeuble de l'âme. Liv est elle-même dans ce grand méchant monde. C'est une proie facile. Il y a 3 fils entre chaque relais. Un pour le neutre, un pour la terre, un pour le plastique. Et qui d'autre que la triade sait que Weeming a fait? Personne, Anna. Sauf toi, pour la somme de... 15% de 90 millions, et tu es vraiment mal placé pour négocier. 90? C'est le prix que tu demandes pour qu'elle rentre saine et sauve. Sans garantie. Tu me connais mieux que ça, Jean. Il va falloir que je sectionne 2 ou 3 fils entre chaque relais sans couper le circuit. Et si tu te trompes de fil? Mauvais fil ou mauvais ordre et boum. Ou je pourrais laisser tomber l'argent et te laisser ici. Je baisse ma com. 12%. 10%. Anna, je t'en prie, tu me dois bien ça. Plus après ça, j'en ai peur.
Quoi ? Merde ! Que se passe-t-il, Anna ? Le décompte, il vient de commencer. Combien de temps il nous reste ? Pas beaucoup, alors ferme-la, Jean. Je dois réfléchir. Ok, ok. Ça peut toujours servir. Pour ma commission, ça est plus ce que je disais. Les explosifs m'ont rendu nerveux. T'as un truc pour moi, je crois. J'ai gravé un CD avec des infos sur Li Ming, et même sur l'endroit où tu devrais la chercher. Je l'ai caché dans un boîtier près de l'enseigne lumineuse avant que ce mec me tombe dessus. Et la clé ? Avec le mec. Très bien, je m'occupe du CD. Toi, tu ferais bien de filer à D'accord. présent. D'accord. Tu sais, j'ai bien cru que j'allais passer là-bas. Allez, Anna, dépêche-toi. Qu'est-ce que... Eh merde!
Je suis Monsieur Lam. Vous avez commis deux erreurs. D'abord, j'ai assez de relations pour retrouver ma fille sans faire appel à vos services. Ensuite, vous auriez dû commencer par me tuer. Les hommes affirment que le CD que Jean vous a laissé est crypté. Vous allez me donner le code. Je ne l'ai pas. Jean m'a dupé. Il ne m'a jamais parlé d'un code. Alors prenez-le. Il vous revient, mais il vous en coûtera la vie. Nous n'avons plus rien à faire ici. Finissez-en. Avec plaisir. On se tire. À l'hôtel. Il faut prévenir Deck qu'on est en plein dans la merde. Excusez-moi, monsieur Lecourt. Ce paquet est pour vous. Merci.
on laisse tomber. Si on ne trouve pas Weiming avant les autres, crois-moi, on ne sortira jamais de Chine vivant. Écoute, Glass, moi je t'ai suivi sur ce job pour une seule raison, ok? Le fric. T'inquiète pas, on en aura du fric. Mais faut pas oublier que Weiming est notre seule protection contre l'âme et la triade. Alors, on la retrouve les premiers, et vite. Et on élimine tous ceux qui se mettent en travers de notre route. Ouais, ça me convient. D'accord, je marche. On aura peut-être besoin de ça. Une clé de décryptage? Tiens. Merci, ma puce. Qu'est-ce qu'on a? Seul, ce juge est digne, seront épargnés. Si Weiming n'est pas parmi nous, le 17 à minuit, nous aurons échoué. La chance nous abandonnera. Et nos sacrifices auront été vains. Le Fongen ne peut tolérer pareil ici. Weiming doit être retrouvé. On dirait que Weiming est mêlé à une sale histoire avec l'âme, non? Ça vous dit quelque chose, le Fongen? Non, mais il y a beaucoup d'aristocrates chinois qui appartiennent à des sociétés secrètes très fermées. Monsieur Lam a découvert que Weiming écrivait régulièrement à une certaine Madame Chen. Weiming a dû chercher à entrer en contact avec elle, et je crois que tu sais où trouver cette Madame Chen. Anna? Madame Chen? Un fantôme de mon passé. Est-ce que Jin dit vrai? Tu sais vraiment où la trouver? En amont du fleuve Axik, une ville appelée Shanzi. Madame Chen tient un restaurant là-bas. Ah, d'accord. Maintenant, on sait pourquoi cette empathie de Jin t'a proposé le taf, Anna. T'es la seule à pouvoir suivre cette piste. Bon, on dirait que nos actions remontent un peu, non? Je parle d'une douche. J'aimerais bien être à la place du savon. Hé, Glass, regarde. Regarde. Anna, viens donc jeter un coup d'œil. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Shanzi? Non, c'est juste un port de pêche. Non mais quelle horreur! On dirait que tu nous caches des choses, Anna. Pourquoi elle t'intéresse autant, cette petite? Là! Hé, hé, mais c'est elle! Non, mais je rêve! Anna, garde le bateau et rhabille-toi. Deck, tu viens avec moi. On va enfin passer aux choses sérieuses. Mais comment, mon pote? Vraiment pas très sympa de ta part, mais... N'avez aucune idée de ce qui va vous arriver. Alors, tu trouves ça drôle, hein? Et ça, c'est délirant, non? Ouf. On dirait que t'as eu une sale nuit, hein, mec? Weiming, attends!
Le sang qui les rend tous fous. Le sang qui les transforme en démons. C'est à cause de quoi? Pas de quoi? De qui? Hier, un garçon qui pêchait seul est tombé sur les rochers. Sa jambe saignait et il aurait perdu tout son sang si une fille, une étrangère, n'était pas passée dans les parages. Winning. Elle était couverte de son sang quand elle l'a ramené au village. Nous nous sommes rassemblés pour la remercier. C'est à ce moment que la folie a commencé. J'ai essayé d'attraper le train. Le train? Oui. Le train militaire s'arrête ici une fois par semaine pour nous prendre du riz. Il est toujours là, d'ailleurs. Les soldats ont vraiment peur des démons et tirent sur tout ce qui s'approche. Tout ça à cause de cette fille. Oui, Ming. Vous savez où je peux la trouver? Non, mais je sais de quel endroit elle vient. De l'enfer. Oui. Oui, voyons. Salut à la chérie. Fais gaffe à toi, Deck. J'en ai déjà tué pour moins que ça. Ouais, bon, désolé. Alors quoi de neuf, hein? Un train de ravitaillement militaire, certainement bourré d'armes. Bon, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil. Je parle du train, évidemment. Hé, hey, Anna, c'est quoi ça? Superstition chinoise. Des offrandes, des cadeaux pour les morts. Ils pensent que brûler ces effigies de papier revient à les envoyer aux morts qui attendent leur jugement en enfer. J'avais encore jamais vu de tel personnage en papier avant. Au fait, ça me rappelle que ce type en brûlait avant que je le finisse. Je vais jeter un coup d'œil à la locomotive. Retrouve-moi là-bas. Ça roule, ma poule. Oui. Maïtao. Oh!
Oui, mais il nous appartient. Pas pour mon père. Alors vous devez être un mercenaire. Ouais, je m'appelle Glass. Alors quel est mon prix, monsieur Glass? Tu vaux 90 millions cash, avec nos vies en bonus. Mais apparemment ton père n'aime pas trop les indépendants. J'aurais voulu vous aider, monsieur Glass. Mais je ne peux pas. Mon père m'a caché la vérité durant toute ma vie. J'ai enfin la chance de pouvoir changer mon destin grâce à madame Chen. Et personne, ni vous, ni même mon père, ne m'en empêcheront. Désolée, ma mignonne, mais tu viens avec moi. Et je peux me montrer très persuasif. Je n'ai jamais souhaité cela. Je ne savais pas que le sang était le catalyseur. Je voulais juste aider. Je ne suis pas le diable, monsieur Glass, mais j'ai découvert que j'avais le pouvoir de libérer le mal chez les autres. Et ce mal est incontrôlé et sans limite. Hein? Je me suis embarqué. Oui, voyons. C'est ce que j'ai toujours voulu. Un train avec plein d'armes. Génial. Des nouvelles de Glass? Pas encore. C'est un grand garçon, tu sais. Je m'occupe de tout ça, ok? Et toi, tu fais démarrer le train. Ah!
Le pont! Oh merde. Est-ce que ça va, Deck? Mon pauvre train. Il valait sûrement plus que cette oui machin chose, là. Maintenant, tout est à l'eau. Il peut toujours servir, Deck. Surveille-le, Anna, je vais jeter un coup d'œil. Je ne sais absolument pas conduire. Emmenez-moi à Shamsi, Monsieur Glass. Et quand j'aurai vu Madame Chen, je serai à vous. Vous me ramènerez à mon père et vous aurez votre précieuse récompense. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui es-tu? J'espère que Madame Chen pourra m'aider à répondre à toutes ces questions. Allons d'abord chercher vos amis. Elvila, cette Madame Chen? Oui, j'espérais bien ne plus jamais revoir cet endroit. Ok, j'accompagne Weiming. Anna, vaut mieux que tu restes avec Deck pour nous couvrir. Je viens avec vous. Non, Anna. T'as pensé à ce qui arriverait si Madame Chen te reconnaît? Et ça, c'est tout à fait possible, pas vrai? Oui. Dis donc, notre marché, tu l'as pas oublié, j'espère? Je préférerais autant revenir entière chez mon père. Donc dès que j'aurai vu Madame Chen, je respecterai le marché. Vous aurez votre argent, Monsieur Glass. Sage décision. Allons-y. Hey. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce village, Anna? Toi, tu penses que la réponse se trouve ici? Derrière ces murs, il n'y a que souffrance et désespoir. Là, c'est elle. Oui, mon enfant. Je suis venue vous voir, Madame Chen. Je m'appelle Weiming. Nous vous attendions, mon enfant. Oh, Monsieur Glass, je m'attendais à ce que vous soyez déjà mort, mon cher. Ah, de Dieu. Je n'aime pas du tout ça. Moi non plus, chérie. Passe par devant, et moi je vais faire un tour par là-bas, d'accord? Ok. Chose promise, chose due. Quand faut y aller, faut y aller.
Come, Charlie. Help! Hey, Junge! Hey! Hey, ils l'ont eu. L'âme et Madame Chen ont enlevé Weiming et ils veulent me faire porter le chapeau. Il est temps de partir d'ici. Et pour Weiming, on ne peut pas la laisser. C'est trop tard, nous ne tirerons plus rien de l'âme maintenant. C'est foutu, Anna. Allons chercher Deck et partons. Je ne partirai pas sans elle, Glass. Tu ne sais pas ce qu'on fait subir aux filles ici. Bon, d'accord. 10 minutes, pas une de plus. Je vérifie ce coin. Toi, tu vas voir à l'étage. Enfin chez moi. Ok, c'est bon. Toi, retourne au boulot. Oui, désolé. Geste brusque, ma jolie. Anna ? Dis donc, belle pompe. Pas maintenant, Deck. L'âme et ses hommes sont partout ici. Ils ont enlevé Weiming. Bon, on retrouve Glass et on se tire vite fait, c'est ça ? Pas question. On va d'abord chercher Weiming. Ça fait partie du contrat, un trésor ? Plus maintenant, Deck. Qu'est-ce que vous faites ? On s'est trompé, désolé. Allez, dégagez, dehors !
Salut. Pas de mal, je vous en prie, me faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tiens. C'était donc ça ton secret, Anna. Où est la fille? Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Allez, prends tes affaires et barre-toi. Avant que je m'énerve. Je laisse toujours une chance à tout le monde. Mais la prochaine fois, je te bute. Vous pensiez pouvoir me renseigner, Monsieur Glass? Vous immiscer entre moi et ma fille? Me séparer de la chair de ma chair? À propos, Monsieur Glass, ça vous fait quoi d'être séparé de la vôtre? Thank you.
Weiming? Weiming? Quelqu'un a vu Weiming? Allez, courez! Allez, sauvez-vous! Deck? Deck? Je te connais, toi. Non. Vous m'avez connu. Mais Yoon? Mais oui! C'est cette chère Mei Yoon. Tu es finalement revenue après toutes ces années. Mei Yoon est morte. Vous l'avez tuée quand vous m'avez amenée ici. Qu'avez-vous fait à Weiming? Elle est repartie avec son père. Je n'arrive pas à y croire. Weiming, il y a longtemps que je voulais t'avouer la vérité. Ce pacte diabolique avec Yim Lao Wang t'a procuré richesse et pouvoir. Mais moi... Vous ne me faites pas peur. Non. Et maintenant... Alors, t'es prête à partir?
Allez, donne-moi un coup de main. Je te promets de casser tous mes prix pour toi. Ton vieux ? Je pensais qu'il m'aurait liquidé. Il doit vouloir m'achever lentement. Désolé. C'est Satan qui t'envoie ? Non, ni Satan, ni le démon. Dans notre culture, il s'appelle Yim-la-Wang, le seigneur des ténèbres. Nous croyons que lorsque nous mourrons, nous allons en enfer. Nos âmes peuvent y rester des années ou des siècles avant de pouvoir s'entretenir avec Yim-la-Wang. C'est pour ça que vous brûlez des offrandes pour les morts ? Oui, pour apporter du réconfort aux âmes errantes. Mais un jour, le Fangen a pactisé avec Yim-la-Wang. Les effigies de papier qui jusqu'alors étaient réservées à l'enfer ont été destinées au monde des vivants. Et c'est ainsi que mon père a accumulé autant de richesses. À ne plus savoir qu'en faire. Et qu'est-ce que Yim-la-Wang obtient en retour ? Moi, il y a 2 semaines, mon père a tenté de me révéler ce que je soupçonnais depuis longtemps. Que j'étais différente, que j'avais un pouvoir spécial. Qu'à la dernière heure du dernier jour de ma 18e année sur cette terre, j'accomplirai ma destinée. Je ne fuis pas, Monsieur Glass. J'essaie de rentrer chez moi. Et si je ne regagne pas les enfers d'ici les prochaines heures, alors rien n'arrêtera ce qui suivra. Monsieur Glass ? Monsieur Glass ? Audacieuse pour une enfant. Ou bien peut-être est-ce une absence totale de sensibilité. C'est comme ça que tu tues tellement de gens, Mayune. Tu es sans cœur, comme lorsque tu as utilisé ton corps pour t'enfuir. Oui. Mais tu sais bien, Mayune, que Jin ne te laissera pas partir avant d'avoir eu sa part. J'ai toujours su que vous étiez une ordure venue des enfers. Tu mourras. Tu pourras toujours te consoler en pensant que tu avais raison. Destinée. Bientôt tu sauras, Mayune. Très bientôt tu sauras. Je m'appelle Anna.
Je suis un miroir de l'âme, Anna. Lorsque les gens me regardent, ils voient le mal qui sommeille en eux. Un mal qui ne demande qu'à se réveiller. Un mal qui cherche à se matérialiser. C'est un aller sans retour, Anna. Je suis venue jusqu'ici. Autant continuer jusqu'au bout. Pourquoi as-tu soupçonné Madame Chen ? Elle connaissait mon père. Elle n'a jamais changé. Quand j'ai découvert comment il était devenu aussi riche, je me suis dit qu'elle voulait peut-être plus que de l'argent. Tout le monde voudrait posséder ce que Yim La Wang peut offrir. C'est ce qui le rend si puissant. Mais pourquoi toi ? Je ne le sais pas encore. C'est ce que j'aimerais découvrir. Des horreurs nous attendent ici, Anna. Je peux les sentir. Je sens ces monstres qui veulent nous attirer ici. M'attirer, moi ! C'est comme si je rentrais chez moi. Ne t'inquiète pas, Weiming. Je reste avec toi. Weiming ! Vous êtes la seule responsable, Chen. Votre avidité, votre vanité. Peut-être. Même si je t'ai blessée autrefois, Mayun, je peux t'aider à présent. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ma fille.
Tu l'as déjà rencontrée, n'est-ce pas? Donne-lui ça. Elle est seule, elle a peur. Je ne peux pas lui parler. C'est mon cauchemar. Prends la poupée. Ma fille en sait long sur toi. Prends la poupée et je t'aiderai à ton retour. Tiens, je t'ai apporté ta poupée. C'est pas ma poupée, c'est notre poupée. Oh, mais c'est impossible. Tu nous reconnais pas, Mayoun? On était si heureuse à cet âge-là, souviens-toi. Et puis papa et maman sont morts et il nous restait que cette poupée. Tu es moi? Oui, avant que tu deviennes Anna. Avant que tu n'échappes à ton passé. Mais tu peux plus m'échapper, je suis avec toi. Et je connais un secret qui t'aidera. Je t'écoute. Tu le connais déjà. Il est dans ton esprit. À moins que tu n'aies peur de le trouver. Je n'ai pas peur. Très bien. Je ne te manque jamais, Diana. Ça ne te manque pas de ne plus être Mayoun? Si. Alors il te reste une chance de nous retrouver. Écoute, Anna. Enfant, nous fleurissions telle une branche sous la pluie. Enfant, nous fleurissions telle une branche sous la pluie. Adolescente, notre beauté attirait de nombreux prétendants. Adulte, nous nous marions et nous avons beaucoup d'enfants. Morte, notre corps avili et flétri redevient poussière. Je te l'avais dit, Anna. La réponse était dans notre esprit. Je n'ai pas peur. Pour te remercier, Mayoun, de veiller sur ma fille. As-tu aimé ce que tu as fait? Je ne suis pas votre fille. Autrefois, tu l'as été, très chère Mayoun. Mayoun est morte. Vous l'avez tuée. Je m'appelle Anna. Je n'ai rien pris d'autre que ce que tu voulais bien me donner, Mayoun. Tu te leurres en te persuadant du contraire. No.
Magnifique, n'est-ce pas? Oh, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas tuer ce qui ne vit pas. Vous êtes Yimla Wang? Ah, le Seigneur des Ténèbres. Non, non, non. Peu importe qui je suis ou ce que je suis, l'important, c'est ce que je peux faire pour toi. Où est Wiming? Le moment venu, tu la trouveras. Et Yimla Wang également. Prends ceci. Et va voir mon frère. Va-t'en, nous nous préparons pour un enterrement. Thank you.
Salut, Glass. Deck. Mon Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce que tu vois devant toi s'est produit chaque fois que j'ai appuyé sur la détente. Quand tu apercevras qui tu es vraiment, tu comprendras. Oh merde, je suis désolé, Deck. Désolé. Sais-tu seulement ce qu'ils font aux tueurs comme nous ici, hein? Et tu me demandes pardon? C'est ta faute si je suis là. Je te faisais confiance sur ce coup. Alors profite de tes derniers instants. Car ton éternité est sur le point de commencer. Et ta souffrance aussi. Repose en paix, Deck. Je les ferai payer pour tout ça. Tu as ma parole. Qui t'a envoyé ici, Parle. Votre frère. J'ai beaucoup de frères. Je suis beaucoup de frères. Il m'a donné ceci. Oui, le Soul. Mais tu n'en as que la moitié, Pour grandir, il lui faut la lumière et l'ombre. Les feuilles vers le soleil blanc. Les racines vers le sol froid et noir. Tu ne peux pas aller contre le destin. Je suis là, par ici. Weiming, derrière toi. Weiming, je suis là, par ici. Weiming, derrière toi. Vivant? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Regarde-moi, Anna. Tu vois ce qui m'est arrivé? Ce qui est arrivé à Deck, c'est à cause d'elle. Je suis désolé, Anna, mais fallait que ça s'arrête. Moi seule peux le faire. Hein? Je te l'ai dit, Anna. J'ai besoin de toi pour rejoindre les enfers. Laisse-la parler.
Tu as fait appel à moi, Anna. Maintenant, tu n'as plus qu'à en subir les conséquences. Après ce que nous avons vu, si nous ne l'aidons pas, notre monde disparaîtra. Elle peut sûrement empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Ne me force pas à tirer, Anna. Anna ! Anna ! Je vais la chercher, Glace. Tire si c'est ce que tu veux. Monsieur Glass. No. I don't think so. Très chère Anna, oh Jean? Oh, je préférerais que tu m'appelles par mon véritable nom, Im Lao Wang. Oui, Anna. Le seigneur des ténèbres. Tu attends des réponses? Oui. L'enfer est comble, Anna. Les gens viennent en masse pour s'y faire juger. Ils fixent mon miroir, un miroir si parfait qu'il reflète leur âme. Et ils se transforment et deviennent ce qu'ils voient. Mais je ne peux plus les condamner à l'enfer éternel, car celui-ci est plein. Weiming est ma solution. Quand les hommes plongent dans son regard, ils y découvrent les profondeurs de leur âme.
tout comme s'il regardait dans mon miroir. Tu m'as tendu un piège depuis le début. Oh, je m'étonne que tu ne te sois jamais demandé pourquoi le pouvoir de Weeming transformait les autres en ta présence sans que tu en sois jamais affecté. Oui, le toit. Ton sang. Le seul antidote au pouvoir de Weeming. Mais pourquoi? Je t'ai testé, petite Mayu. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse veiller sur Weeming lorsqu'elle accomplira sa destinée. Quelqu'un sans pitié. Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est Weeming? Weeming, revenu aux enfers. Tu as perdu. Weeming. Parce que tu crois qu'ici, c'est l'enfer. Oh, Mayun. Tu es tellement loin de la vérité. Nous sommes arrivés jusque-là. Aide-moi à continuer jusqu'au bout, Anna. Je peux arrêter la prophétie. Je peux le faire. Mon cœur est solide. Oh, Weeming, tu n'as pas de cœur. Je t'ai créé, tu sais, tout comme la fortune de l'âme, tu n'as acquis d'un simple bout de papier brûlé. Ici même. Quant à toi, l'âme, tu m'as déçu. Non! 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 Tuons-les tous! Non, j'ai confiance en Weeming Glass et je ne te laisserai pas lui faire de mal. Ne t'interpose pas, Anna. J'ai confiance en Weeming Glass et je ne te laisserai pas lui faire de mal. T'interpose pas, Anna. J'espère que t'as raison, Anna. Je sais. Mayun, tu me déçois horriblement. Courez, allez-vous-en, je m'occupe de l'arme. Pour tous les sacrifices que vous avez faits. Et toi, je ne t'oublierai jamais, Anna. Tu as tout gâché, espèce de pauvre idiote! Avant de me rencontrer, tu n'étais qu'une petite traînée! C'est pas une manière de parler à mon ami. Même si t'es un seigneur. Salut mec, Anna. C'est pas vrai. J'ai l'impression d'avoir pris un sacré coup sur la tête. Je me souviens de rien. Tu as tenu parole, Weeming. Tu as récompensé nos sacrifices. C'est vrai. Et on s'en tire pas mal finalement. Plutôt bien, je dirais. Pas vrai, Glass? Ouais, on peut être fier.
très fier.